Taken Project presents Unreal Engine. Ouh, c'est badass! Stylé, stylé, stylé. Ah, la cinématique, elle est pas... Putain, j'ai mon allergie qui me tabasse le nez, là, c'est pas agréable, hein. Je renifle, je suis désolé. C'est pas cool. C'est pas très glamour. Bon, après cette petite cinématique plein de baston, nous sommes là. Hey, c'est là, tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui, les amis, pour la découverte de Tekken 8, qui vient de sortir, je crois, sur toutes les plateformes. Je suis pas trop renseigné. D'ailleurs, même, ça a été un peu la surprise, parce que hier, je me balade sur Twitter ou quoi, enfin X, enfin bref, on s'en fout, et je vois, ouais, Tekken 8, je dis, what? Tekken 8, il vient de sortir? Attends, on va aller tester ça. Tekken, forcément, pour tous les old school, les anciens, c'est un jeu qui a bercé notre enfance, automatiquement. Alors, je me souviens pas exactement du nom des personnages, mais je crois que c'est Tekken où il y a Yoshimitsu, Warang, et j'ai des trous de mémoire, voilà. Bon, bienvenue dans le monde de Tekken 8. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'histoire, le réveil des ténèbres, épisode des personnages, hors ligne, en ligne, personnalisation de l'avatar. Il y a un avatar, ok. Hors ligne, quête arcade. Et d'incarner votre propre avatar à travers différentes salles d'arcade, tout en mobilisant avec le combat de Tekken. Ok, on va y avoir. Ok, nice. Salle d'arcade. D'accord, ok. Oh. Ok, c'est nice, ça. On a notre monde et tout, alors on peut créer notre avatar. Où est ton acolyte? Ça fait des heures qu'on l'attend. Je vais aller voir maintenant, continue sans moi. D'accord, on va se retrouver à l'intérieur, ça marche. Où est-ce que tu te trouves? Donc là, on va créer... Ah d'accord, on doit créer son avatar. Ah, une casquette. Corps entier. Oh, d'accord. Vas-y, bon, on va mettre ça. Ah, t'as trop stylé. Allez, on a terminé. Sauvegarder, quitter, yes. Donc là, on a notre petit avatar. Bon, j'ai mis Jin, du coup. Te voilà! J'ai le cœur qui bat la chamade. Mais qui dit ça? Mais qui dit j'ai le cœur qui bat la chamade? Mais ce ne sont pas des vraies personnes, c'est une IA qui a créé les discours. Ah, ok, il y a une map et tout. Mama! Une petite salle de garde-classe où se ressemblent les joueurs débutants. La communauté est recentrée autour de Max et t'affairée à affronter et partager des informations sans cesse. On dirait que le tout nouveau Tekken 8 est sorti aujourd'hui. Bah ouais! Ah, mais c'est cool ce petit monde avec les maps et tout. Ah, j'aime bien. Donc là, on va aller tester plusieurs salles d'arcade et tout, pour aller faire les combats. Ça, c'est sympa. C'est trop rigolo avec les... Tu sais quoi? On dirait un peu le... Je sais pas s'il y a des gens qui ont connu, hein. Et c'est vieux, mais ça s'appelle le collège foufoufou.
Et t'avais les personnages de taille normale qui, de temps en temps, se transformaient quand ils étaient vénères, genre en mode petit corps mais grosse tête. C'était trop bon, ça, le collège foufoufou. Ça fait vraiment penser à ça, quoi. Allons, dépêchons-nous de jouer. Nous sommes là. Alors pourquoi j'ai des pleins de numéros comme ça? Je peux pas avoir un blast comme Max? C'est quand même stylé quand même d'être dans la salle d'arcade comme ça, avec les posters Tekken... Oh, Tekken 3! Oh! Tekken 7. Ouh! Qui c'est qu'on a là? Claudio! Zafina! Paul! Mais Paul, avant, j'ai l'impression que Paul, il a pris des bons petits déj comme moi, non? Il a pris de la masse, Paul, non? On est d'accord. À l'époque, il était plus fin, avec les cheveux en l'air et tout. Il a pris de l'âge aussi, hein. C'est-à-dire que peut-être aussi, techniquement, historiquement, les personnages vieillissent en même temps que les épisodes avancent, on va savoir, je sais pas. Alors, il y a des... King, je saurais pas dire si ces personnages-là étaient sur le Tekken 1, mais j'ai joué au Tekken 1, c'est sûr. Mais pour moi, je dirais que King était là. Low, 100%, il était là. Moi, celui que j'aimais beaucoup, c'était Ourarang. Bah, Jin, forcément, bon, c'est le classique, hein. Non, c'est Kuma qui était là? Si, c'est Kuma qui était là. Mais Kuma est peut-être arrivé un peu plus tard. J'ai des doutes. Le doute m'habite. Brian, il était arrivé peut-être au 3, lui. Yoshimitsu, c'est un personnage classique, hein. Mes préférés, bien sûr. Et il est où, Ourarang, là? Jack, le robot. C'est pareil, Jack, même le robot, il a pris du galon, hein. Il y a Victor. Ah, il est français, monsieur Victor. Alors, nous parlons français? Mais je vois pas... Ourarang, il est là. Vas-y, je vais prendre Ourarang, j'aime bien. Maintenant, affronte-moi, essaye le système hit. Max, je sais pas pourquoi, t'as l'air vraiment un mec sympa qui a envie d'aider, mais j'ai du mal à t'apprécier, j'ai envie de te casser la figure. Voilà. Je frétille. Tiens, je tiens plus en place. C'était quoi l'expression de bot qu'il avait utilisé l'autre fois? Alors, la bagarre... Tu fais moins maligne maintenant. Tac, tac, tac. Hey, il est bien fait quand même le jeu, hein. J'ai le cœur qui bat la chamade. Oui, j'ai le cœur qui bat la chamade. Ah, on gagne de l'XP et tout, revenir à la salle d'arcade. Et ah oui, donc là on est en mode noobie, puis après on avance un petit peu dans les niveaux. Eh, c'est classe, hein. J'aime bien ce petit mélange au début. Ça faisait bizarre, ça me faisait penser un peu au truc de Wii, là. Je sais plus comment ça s'appelle, là, les Winions, ou les Minions, des Wii, enfin un truc du genre. Mais finalement, je trouve que ça fait vraiment sympa le délire. Ok, donc là, on a AO. On peut discuter avec lui, on a Max. Donc là, on peut aller discuter avec les gens. Prime, qui a un petit cadeau. Comme mon personnage a une tenue cool, je joue toujours plus longtemps. Je dois montrer, tu comprends? Attends, combattre. New challenger. Oh, c'est classe! New... Get ready for the next battle. Ok. We got a new challenger. Kitana. Tu ne crois sûrement pas que tu peux me battre. Round 1. Moi, te battre? Alors? Ah! Oh, ça me pique le nez en même temps, là! Putain, mais c'est trop stylé, hein! Avec la destruction du matériel et tout, maman, il est... Bienvenue à ça!
Allez, maintenant on est first dan, mon pote. On a gagné. En fait, c'est classe, c'est ça, c'est du mode arcade, c'est de la ranked. Et on a le petit personnage, on va affronter d'autres joueurs et tout. C'est, j'aime beaucoup le mode histoire là, c'est vraiment sympa là. Et toi aussi, hein, on peut jouer un peu si tu as du temps devant toi. Bonjour, les victoires faciles. Oublie ce que j'ai dit. Ok, il utilise Steve. Toi, je vais te faire fermer ta gueule. J'aurais pas dit mieux. Ouh, c'est stylé. Voilà, voilà. Il était coriace l'animal, mais il me connaît pas. Fuck. Fuck, 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 fuck. Yes, yes, yes. Voilà, je lui ai placé Steve, Nick. Voilà. J'ai niqué Nick. Alors qu'est-ce que tu vas me raconter, toi? Quelle excuse tu vas inventer pour avoir perdu? Je suis pas allé assez fort avec toi, on dirait. Espèce de pauvre merde. Oh yes! Ah bah là, y'a mon nom. Allez, mon premier tournoi. Let's go, c'est parti. Get ready for the next battle. Get ready for the next mouchoir. Attends, Marie. Oh Marie, si tu savais tout le mal que je vais te faire. Aïe! Oh la gifle. Ah! Arrête de faire du kung fu pendant... Yes! Wouah! Ouh, très bien, très bien, très bien! Voilà. Des petits coups de traite pour faire des petits 1 HP en moins. Ça m'y connaît. On a déjà jamais vu un panda. Oh, perfect. Oh. Excuse-moi, j'ai éternué. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai gagné. Ok, super. Oh là là. Oh, ça me pique partout. Oh, c'est une horreur. Ah, je suis allergique au pollen d'arbre et en ce moment, c'est une folie. Hein. Bon, qui a gagné? Babyface, Henry, machin... Et Max, il a participé, Max? Ah non, Max, il organise le tournoi, il participe pas. Ok. Oula King, Babyface, Yuni Oulala. Chipapa Yugatsa. J'apprends un peu le coréen en même temps, tu vois. Oh là là, King était incroyable. Bah bon, après, moi je suis orange, je suis pas n'importe qui. Oh merde, je l'ai chié. En tout cas, les décors sont quand même stylés. Et graphiquement, le jeu est quand même plutôt mignon. Hein. Fight. Ouais, je vends ce mouchoir, hein. Parce que celui-là, c'est le mouchoir de la victoire. On peut le vendre, celui-là. Oh, alors, rien à ça, on est passé en fighter. Après, il y a stratège, après, il y a combattant. Et après, pff, ça, on ne m'arrête plus. Déjà, on est en demi-finale contre Katsuja. Bah, Nick, il va être en finale, c'est obligé. Nick, il va être en finale. Alors,
Oula! Oula, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Mais c'est quoi? C'est quoi cette sorcellerie là? Oh shit! Mais arrête de te protéger un peu, bordel! Arrête de te protéger! Eh, le décor est trop stylé! Times Square! Oh oui, qui ça dédain, voilà, tout ça, tout ce que t'as dit, je suis complètement d'accord. Bon, au final, c'est versus Nick, c'est sûr. Mais ouais, c'était sûr, c'était sûr. Oh, on est en finale. Non, pardon, c'est pas... Oh la vache. Mais là, c'est mon nez qui me démange. Me démange, c'est me démonte et me démange, c'est me démange. Tu es arrivé jusqu'en finale. La finale, ça met vraiment la pression, pas vrai? Je vais te montrer comment on fait, alors prépare-toi et prendre des notes. Moi, j'imagine sa voix comme ça. Ah, ce petit fils de pute, il commence à m'énerver, je vais lui claquer la gueule. Get ready for the next battle. Get ready for the next battle. Parti avec promotion. Ouais, mais là, on est dans une arène. Round one. Fight. Ah, il est cinquième Dan. Ah ouais. Allez, mes créants là. Fight. Non, non, non. Lâche-moi, lâche-moi. One, two, three, four, tu sais compter, tu sais compter. Moi aussi compter. Non, non, non. Gifle. Voilà. Oh là là, oh, un angle style la classe. I choose my fight. We are the champions, my friend. Allez Nick, je t'ai niqué. I'm the winner. Wouhouhou. Tout le monde à poil, Nick. Non, pardon, excuse-moi, c'est pas de mauvais jeu. Félicitations, you win. Je sais pas si vous avez des allergies aussi, vous savez ce que c'est, mais franchement, quand ça te prend, oh, c'est... Oh. Mais en tout cas, c'est vraiment cool le côté quête arcade. Il y a le mode arcade, entraînement, Tekken Ball, etc. Joueur versus IA, etc. Galerie. Le mode histoire, bon, pour avoir les cinématiques de chacun. Mais je pense que réellement, le côté intéressant de Tekken 8, c'est ça, c'est la quête arcade. Avec son petit personnage et tout. On a le mode en ligne, salon de combat Tekken. Ok, partie classée, matchement des... Faut voir ce que ça donne un peu. Est-ce qu'on se retrouve avec notre petit personnage à se balader un peu où on veut ou quoi? Par curiosité. Oh, bienvenue au salon de combat Tekken. Le combat de Tekken est un endroit où les joueurs du monde entier se rassemblent. Ici, vous pouvez rencontrer et affronter d'autres joueurs en ligne. Oh, trop stylé. Oh, c'est bon ça. Ah, c'est... Ça, c'est un truc qui est cool, tu vois. Pour faire la comparaison, par exemple, on aurait ça sur Call of, tu sais, comme on avait à l'époque sur Call of Duty World War 2 avec le QG. Et genre, tu vas voir des gens. C'était trop bien. C'est dommage qu'il ait pas gardé. Et genre, tu vas voir les gars, tu vois, on fait un petit 1 contre 1. Mais là, c'est des vrais joueurs, tu vois. Interagir. DDD. Bataille de fantômes, profil, chat direct et tout. Oh, attends. Tu mets un chat direct sur Call of, ça serait un peu n'importe quoi. Donc là, émote. Ok. Oh, c'est trop classe. Ah ouais, il y a du monde, dis donc. Ah, il y a la boutique, personnalisation et tout. Ah oui, il y a l'arena, l'arena underground, Urban Square. Ah oui, Evening Square, Yakushima, Coliseum of Fate, Rebelle, Fallen. Et les mondes sont... Attends. Revenir à la sélection des personnages, oui. Je vais prendre Victor, voir la voix qu'il a. Parce qu'apparemment, c'est Vincent Cassel, du coup. Chevalier, allons-y. Trop classe. Ouh, Into Stratosphere. Get ready for the next battle. J'espère que tu n'es pas un de ces incompétents à l'esprit limité. Trop classe! Round 1.
Fight. Je te tiens. Coute. Oh merde. Oh merde. Oh fuck. Hey. Oh mais c'est stylé sur la lune. Oh t'as pris cher. T'as pris cher frérot, t'as pris cher. Fais pas le roi, je suis Victor. Oh là là! Bon appétit! Oh merde. Aïe! Non, non, non! Oh, je me suis fait éclater. Merde, merde, merde. Non, il me l'a retapé. Non. Non, mais c'est pas vrai! Ah, il me reste un peu de sang. Il me reste un peu de santé. C'est quoi ça? Comment ça, round 4? Comment ça, round 4? Ah, c'est 3 wins gagnants! Mais... mais non, mais non! Mais non, mais chez nous, ça se passe pas comme ça! Arrête! Fuck. Non, s'il me le claque, mais arrête. Non, 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 non. Oh là. Aïe, 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 aïe. Fight. Il va me le placer, hein. Non, c'est bon. Bon appétit. Quel incroyable combat. Au fait, puis-je t'envoyer la facture du nettoyage? Et dis-lui, Vincent, dis-lui. Ah. Revanche, mais... revanche, j'ai gagné, comment veux-tu? Revanche, revanche de quoi? J'ai gagné! I have win! Oh vache... l'autre, j'ai bien éclaté, hein. J'ai bien éclaté. Bon... bon, voilà, c'était la découverte de Tekken 8, et franchement, c'était une agréable surprise. Parce que Tekken, bon bah, on y a tous joué un opus ou un autre. Enfin, moi, j'ai connu le premier et j'ai suivi un peu l'évolution sans avoir joué à tous les opus. Mais à l'époque de la PS1, Tekken, je peux dire qu'on s'est ruiné les pouces dessus. Donc, aujourd'hui, j'ai vu Tekken 8 qui sort. J'ai dit, tiens, on va aller tester ça pour le petit côté un peu nostalgie. Et avec le mode arcade, là, les petits personnages, la salle d'arcade et tout, c'était beaucoup plus sympa que ce que j'aurais imaginé. Du simple fait que dire, tiens, on est juste dans un mode jeu de combat, t'arrives, tu fais l'histoire, une petite cinématique,
dynamique. Ça se tape et tout, mais c'est beaucoup plus sympathique que ce que j'aurais pu imaginer. Et agréable surprise là-dessus. Vraiment agréable surprise, j'ai bien aimé. Et au final, du simple jeu de combat où tu vas faire le, les bagarres, tu vois, t'as ce côté un petit peu avec les persos, avec l'histoire, mais raconté d'une manière un petit peu différente. Et je trouve que c'est vraiment plaisant, quoi. Donc voilà, je voulais découvrir un peu ce que ça donne. Et agréablement surpris, c'est vraiment cool. Donc on continuera peut-être un peu plus tard, voir un peu ce que ça suit pour aller battre le Orochi, l'arrogant, et lui montrer un petit peu qu'on est quand même nettement plus fort que lui.